Nous avons à Caserres décidé d'initier plusieurs actions auprès de la Garonne. La Roselière, un parcours Garonne, un parcours pédagogique, un jardin Garonne et le quatrième volet du plan Garonne, ça a été cette maison Garonne. Il existait ici un vieux hangar à bateaux qui avait été une des dernières usines de fabrication de bateaux sur la Garonne. La fabrication des bateaux. D'abord, il y avait des ports, ce qui peut paraître étrange aujourd'hui. Il y avait un port, il y avait même un chantier naval à Caserres, puisque la maison Garonne est un ancien hangar à bateaux. Et puis la ville vivait du fait que, par le port de Couladère ou les ports de Caserres, il y en avait deux, il y avait des marchandises qui passaient, qui venaient de ce qu'on appelait la montagne. J'allais dire, elles ont un peu changé. Alors, la principale activité, c'est la production d'eau potable. Il faut savoir que la ville de Toulouse, aujourd'hui, boit une eau au robinet qui provient de la Garonne. L'activité commerciale, c'était important. Bon, des bateaux qui descendaient, et puis de temps en temps, un bateau qui chargeait les marchandises et qui amenait aussi des gens. Une autre fonction sur la plaine de la Garonne, c'est l'irrigation des cultures. Voilà, par le biais du canal de Saint-Martory. Moi, l'activité que je développe sur la Garonne, c'est la recherche de l'ancienne Garonne, des anciens aménagements de la Garonne. Ensuite, il y a une autre utilisation de la Garonne par le biais des barrages EDF, qui est la production d'énergie électrique. Tourisme, culture et accueil. Donc, bien évidemment, la culture autour des expositions, autour de l'histoire, avait nos responsables, Eugénia et la personne qui va y travailler aussi, Mathilde. Oh oui, souvent. Tout le monde se baignait à la Garonne parce qu'il n'y avait pas de piscine municipale. Et oui, je me suis baigné à la Garonne puisque j'ai même appris à nager dans la Garonne. Alors bien évidemment, il n'y avait pas de maître nageur. C'est-à-dire qu'on apprenait à nager avec les copains. Ah oui, je me suis baigné dans la Garonne, puisque dans le cadre de nos recherches, et en particulier à Toulouse, nous faisons des plongées subaquatiques pour retrouver les vestiges. Là, il y avait beaucoup d'eau, c'était pour les gens qui étaient un peu casse-cou, qui voulaient plonger, là il y avait assez d'eau, et puis les gens qui étaient plus calmes, ils allaient après la Croix de l'Olivier, là-bas. Parmi les souvenirs, eh bien, la Garonne, c'était un magnifique lieu pour la pêche, hein, puisqu'il y avait des espèces qui d'ailleurs aujourd'hui ont plus ou moins disparu. Il y avait des saumons dans la Garonne. Ça dépend où. Il y a peut-être des endroits où c'est pollué et il y a surtout des endroits où vous pouvez vous noyer. Bon, déjà, il n'y a pas véritablement de baignade autorisée sur la Garonne. Autrefois, on s'y baignait d'ailleurs. Hein. Il y en a même qui ont appris à nager. Moi-même, je m'y baigne et mes enfants aussi. Donc il y a certains endroits où il est interdit de se baigner et d'autres où c'est autorisé. Par exemple, à Marmande, il y a une plage qui est surveillée tous les étés dans la Garonne, dans laquelle vous pouvez vous baigner. Ce sera un pôle bibliothèque-médiathèque Maison Garonne dirigé par Eugénia Lopez qui en aura donc la responsabilité et qui s'est déjà beaucoup investi. Eh bien, nous espérons qu'elle apportera de l'animation, qu'elle pourra sensibiliser aux enjeux environnementaux par les biais de ces événements culturels ou scientifiques. La biodiversité de la Garonne, elle est très importante. En fait, la richesse de la Garonne, ce n'est pas quelques espèces rares qu'on aurait ici, qu'il n'y aurait pas ailleurs. C'est en fait, on a une multiplicité d'animaux, de plantes, de milieux naturels qui font la richesse et la biodiversité de la Garonne. Une occasion de voir dans des vestiges de ponts, du pont de la Dorade, entre autres, ce sont des silures. Il y a un silure qui est énorme, qui fait 2,50 m. D'ailleurs, la Garonne, elle est reconnue à l'échelle de l'Europe pour sa biodiversité. Elle est inscrite au réseau européen Natura 2000. Il y a un certain nombre de milieux qui ont malheureusement disparu puisque la Garonne aujourd'hui, elle n'a pas le même fonctionnement qu'elle avait il y a 1000 ans. Et elle se déplace beaucoup moins. Quand elle fait des crues, eh ben, elle a tendance à revenir dans son lit alors qu'avant elle se déplaçait. Et ces déplacements, ça faisait qu'il y avait un certain nombre de milieux qui étaient très très riches et qui étaient en constant mouvement. Aujourd'hui, on en a encore
il en reste et on essaye de les préserver parce que ces milieux sont devenus rares. Ça dépend ce qu'on entend par bateau parce que en amont de Caser, la Garonne, c'est vraiment un torrent. Là, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre soit un raft, soit un canoë, un kayak. Là, on peut. Oui, on peut se déplacer en bateau sur la Garonne et ça se fait beaucoup vers Bordeaux, par exemple, vers l'océan. Parce que là-bas, il y a beaucoup plus d'eau. Sur les plans d'eau, là, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment sympa. Par contre, par endroit, il y a des barrages. Nous espérons surtout pouvoir lui donner une envergure, on va dire, nécessaire pour proposer différents projets, différentes animations. D'abord, une salle d'exposition. C'est une salle à peu près de 250 mètres carrés, ici, face à la Garonne, et une salle de conférence qui est à côté, une salle de 350 mètres carrés. Le tout a été édifié sur un étage vide pour le bas, qui constitue un petit peu une halle entourée de magnifiques jardins où nous pourrons organiser toutes sortes de manifestations. Voilà. Ce lien que la Garonne représente entre les territoires qu'elle relie. D'abord, il représente la force et la puissance de l'eau, parce que ce galet tel que nous le voyons aujourd'hui, avec ses bords arrondis, eh bien, il faut savoir que lorsqu'il a été décroché des parois rocheuses, il n'était pas comme ça. La Garonne, ça veut dire en fait la rivière caillouteuse, Garonne. Gar, c'est le caillou et Onne, c'est le cours d'eau. Une Garonne vivante, une Garonne qui a de la force et qui attrape des roches à la montagne et qui va les rouler et les entraîner avec elle, peut-être même jusqu'à l'océan. Et ensuite, le galet, eh bien, le galet, c'est une des caractéristiques architecturales de toutes les constructions qui sont au bord de la Garonne. Au moins, si vous regardez un peu les maisons anciennes là dans Caser, vous verrez que tous les murs sont fabriqués avec ces galets. J'ai connu, moi, tout petit, la Garonne où il n'y avait pas le quai, où elle courait, la Garonne, ici. C'était chouette, mais elle a été très, très bien aménagée. Moi, ça me rappelle que la Garonne, c'est un élément que l'on partage, c'est un bien commun dont on est tous responsables. Les générations, à l'avenir, en prennent soin. Je la vois animée, accueillant et proposant plusieurs manifestations à caractère culturel ou scientifique, accueillant aussi bien des groupes scolaires que des touristes, que tout public. Son but, c'est de retracer et de permettre de constater, de voir, de retoucher pour les générations actuelles et futures l'histoire ancienne de la Garonne. J'espère que ce sera un super lieu de ressources pour parler de la Garonne et aussi pour faire de l'éducation à l'environnement. J'imagine la maison Garonne comme faisant partie d'un réseau de plusieurs maisons qui sont consacrées au fleuve ou de plusieurs lieux, intérieurs ou extérieurs, qui sont destinés à parler de la Garonne. Donc j'espère que ça va être un lieu qui va vivre et qui va contribuer à l'animation de la ville de Caser.